Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, la réalisatrice palestino-libanaise Maï Masri. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc cinéaste et vous êtes en ce moment au Festival Ciné-Palestine qui se tient jusqu'au 3 juin à Paris, Montreuil-Saint-Denis et Aubervilliers. Votre film 3000 nuits sorti l'an dernier a connu un succès retentissant, récompensé dans plus de 24 festivals internationaux. Avec nous également Bernie Bonvoisin. Soyez le bienvenu également. Bonjour. Vous êtes l'un des parrains de ce Festival Ciné-Palestine. Vous êtes chanteur, fondateur du célèbre groupe Trust, votre dernier CD a pour titre Dans le même sang. Vous êtes aussi réalisateur, écrivain. Vous publiez d'ailleurs La danse du chagrin aux éditions Don Quichotte. TV5 Monde, je le précise, est partenaire de ce festival Ciné-Palestine. Avant de vous donner la parole à tous les deux, Connexion Tunis. Connexion Tunis, où l'on retrouve Nawel Skandrani. Merci d'être avec nous. Vous êtes chorégraphe. Votre nouveau spectacle s'appelle Réexistence. C'est avec 7 danseurs et une comédienne. Ça parle de résistance. On regarde un extrait. Réexistence, Nawel Skandrani, quelle est l'idée centrale de ce projet artistique? Oui, bonjour Mohamed. Alors ce projet, c'est en fait c'est né de il y a à peu près 4 ans avec un jeune comédien syrien qui on était en contact sur Skype parce qu'il avait fait un stage avec moi plusieurs années, il y a plusieurs années, et en fait il m'a parlé de sa vie quotidienne à Damas. Et j'en suis arrivée presque à lui donner des cours par Skype. Et donc, l'idée, c'était ça. C'était comment on continue de résister, puisque dans Réexistence, il y a résistance, il y a existence, et il y a aussi l'idée de renaître constamment, un peu comme le phénix. Et donc, l'idée est centrale du projet, c'est de parler des jeunes, des moins jeunes, et essentiellement des artistes et des danseurs dans notre partie du monde, donc essentiellement en Tunisie, mais aussi en Syrie, en Palestine, puisque c'est un pays que où je vais très souvent. Et je commençais à en avoir un petit peu marre qu'on ne parle, surtout dans les médias occidentaux, on ne parle que de ce mot à la mode, les migrants. Donc en fait, on ne parle que des gens qui se déplacent vers l'Europe, et on ne parle pas de ceux qui restent. Et en fait, on a une image un petit peu négative comme ça, soit tout le monde veut partir, soit les gens rejoignent Daesh, soit ils se suicident. Mais en fait, on ne parle pas des jeunes et des moins jeunes qui résistent, et notamment avec leur art, puisque moi je suis une artiste, et donc je parle de la résistance avec notre métier, avec la danse. Alors justement, Nawel Skandrani, comment ça se traduit d'un point de vue chorégraphique, d'un point de vue scénographique, la résistance? Comment avez-vous travaillé avec ce projet? Alors, d'abord, moi, je suis toujours dans une forme multidisciplinaire, c'est-à-dire que, bien sûr, la forme centrale, c'est la danse, puisque c'est mon métier, mais j'associe aussi d'autres formes artistiques, donc la vidéo. Ça fait 20 ans maintenant que je travaille avec un vidéaste italien, Sergio Gazzo, et donc la vidéo, je l'utilise comme scénographie, mais aussi comme deuxième lieu de récit. Donc, il y a le récit sur le plateau et le récit dans la vidéo. Et j'utilise un petit peu la vidéo, un petit peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mapping, mais moi je fais ça depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment une transformation de l'espace avec l'image. Et puis il y a aussi la musique live, et souvent une musique de création. Et là, en l'occurrence, il y a un chanteur, auteur, compositeur tunisien qui vit en Belgique, qui s'appelle Jaoul Basti, et qui est là avec sa guitare et qui chante. Et donc dans les paroles aussi, il y a tout un récit sur la résistance. Et puis aussi le texte, parce que j'utilise beaucoup la parole. J'aime avoir des danseurs qui parlent, des comédiens qui dansent, ou parfois le texte est aussi, pas seulement en live, mais aussi intégré dans la vidéo ou en off. Voilà, donc, et puis cette fois-ci, j'ai aussi utilisé le cirque. J'ai travaillé sur le tissu, sur l'art du tissu,
qui était une forme qui m'a toujours énormément intriguée. Et j'ai travaillé avec une circassienne, Melek Zouaidi, qui est sur le plateau et qui a aussi formé les danseurs. Donc comment la résistance? D'abord, la résistance, c'est avec le corps, bien entendu. Et surtout, dans notre partie du monde, la danse a toujours été une forme de résistance pour diverses raisons, pas seulement religieuses. C'est un discours qui a été un petit peu trop utilisé, à mon sens. Mais c'est aussi simplement parce que nous sommes une culture qui est plutôt une culture du verbe. Et donc, le théâtre, la poésie, la chanson, le cinéma aussi, ont toujours été, ont eu des lettres, ont leurs lettres de noblesse. Voilà. Merci beaucoup, Nawel Skandrani. Un projet donc multidisciplinaire, Réexistence. Merci, Nawel Skandrani, d'avoir été avec nous en direct de Tunis. Bernie Bonvoisin, vous êtes intéressé à ceux qui partent, à celles et ceux qui partent, en l'occurrence pas très loin, puisque vous vous êtes rendu au Liban, où vous avez rencontré des réfugiés syriens, notamment jeunes. On a presque envie de vous dire, quand on a lu votre livre, qu'il y a un point commun avec le spectacle que l'on vient de voir, Existence, c'est justement la résistance, voire même la résilience, en fait. Oui, c'est, je porterai juste un tout petit point. Il y a quand même toujours une histoire de sémantique. Les migrants, c'est quelque chose, les réfugiés, c'est autre chose. Et justement, on a eu trop eu tendance, concernant les Syriens, de les nommer migrants. Ces gens partent de chez eux parce qu'on leur jette des barils de TNT sur la tête, quand même. C'est pas. Réfugiés de guerre. Voilà, c'est des réfugiés de guerre. C'est pas des gens qui partent parce qu'il n'y a pas de travail et essayer de trouver un Eldorado en Occident. C'est autre chose. Donc il y a un vrai distinguo à faire et je trouve qu'il a été laissé de côté pendant très longtemps. Donc c'est bien de rappeler ça aussi. Les mots sont importants. Bah oui, je crois. C'est... Je suis allé à la rencontre de ces gens, des enfants au départ. Et donc on a été, on a fait ça d'une manière très libre et très très ouverte, avec quelque chose, on avait une forme de plan à suivre, mais en même temps on était très à l'écoute de ce que la vie nous apportait tous les jours. Et la vie nous apportait à Saïda, à Tripoli, à Zaalé, enfin dans plein d'endroits où on est tombé devant des gens vivant dans des situations absolument épouvantables. Et on va y revenir longuement tout à l'heure. Maï Masri, on va parler maintenant de ce festival Ciné-Palestine, dont Bernie Bonvoisin est l'un des parrains. Vous êtes l'une des figures phares de cette 4e édition. Que représente à vos yeux ce festival Ciné-Palestine ? Oui, je pense que c'est un festival très important, surtout parce qu'il est en France et ça permet à montrer des films palestiniens pour le public français, des films qui parlent, des films humains, des films pleins d'expérimentation. C'est très fort. Et il est souvent question d'ailleurs d'exil et de résistance, notamment dans vos films. Tout à fait. Mes films traitent d'exil, de résistance, des enfants, des femmes. Et du côté humain qu'on ne voit pas souvent dans les médias. Alors cette 4e édition a pour fil conducteur la Nakba. La Nakba en arabe, ça veut dire catastrophe. Les Palestiniens célèbrent le 70e anniversaire de la Nakba, alors que les Israéliens célèbrent, eux, le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Pour les Palestiniens, la Nakba, c'est l'exode de 1948. Vous êtes installé au Liban. On parlait justement, et les mots sont importants, le disait Bernie Bonvoisin, des réfugiés. Vous êtes issu vous-même d'une famille qui a connu la Nakba ? Ma famille a connu la Naxa de 67, c'est aussi la catastrophe de 67, mais aussi il y a plusieurs réfugiés. Mais moi, j'ai vécu toute ma vie au Liban, mais j'y vais souvent maintenant en Palestine en tant que cinéaste pour faire des films. Alors, plusieurs de vos films ont connu un succès international. Les enfants de Shatila, Rêve d'exil également, qui témoignent de la vie des camps de réfugiés palestiniens. Et votre premier long métrage de fiction, je l'ai dit, ça s'appelle 3000 nuits, c'est sorti l'an dernier. On va regarder sans plus attendre la bande-annonce de 3000 nuits. לאחר שבית המשפט הרשיע את הנאשמת בסיוע לפיגוע טרור. יש מכתוב!
خليت شي ما عملته رفضيني في الجوعان لازم ندعي لأقرب الليلة Voilà, 3000 nuits. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu votre film, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, oui. Maï Masri? Bon, c'est une histoire, c'est basé sur une histoire vraie d'une institutrice palestinienne qui est enceinte, qui a été arrêtée et qui a donné naissance à son enfant dans une prison israélienne. Et le film parle du trajet de cette jeune mère avec son fils derrière les murs, avec les autres prisonnières palestiniennes. Il parle de la solidarité des femmes. Il est plein de poésie aussi, des moments durs, mais aussi des moments tendres, surtout le rapport entre la mère et son enfant. Et puis, il y a beaucoup de résilience aussi et résistance dans ce film. Alors, on pourra donc le voir à ce Festival Ciné Palestine. Il y a d'ailleurs des masterclass qui sont organisées autour de votre œuvre et autour aussi du réalisateur Kamel Al-Jafari. Que permet, selon vous, le cinéma pour les Palestiniens dans la tragédie qu'ils vivent depuis des décennies? Oui, le cinéma est très important parce qu'il montre la vie de tous les jours des Palestiniens et permet aux gens de comprendre la réalité palestinienne et aussi l'art palestinien, la créativité et tout ça. Parce que la Palestine, il y a plein de choses. Et aussi, c'est une manière de faire connaître la Palestine dans le monde et aussi briser les frontières parce qu'on est la prison... Ça, c'est un thème. Les Palestiniens vivent emprisonnés et le cinéma permet de se libérer des barreaux. Bernard Bonvoisin, vous écoutez attentivement. On va bien entendu revenir à votre récit témoignage. La Palestine, c'est quelque chose que vous suivez, notamment avec ce qui s'est passé récemment? Oui, récemment et puis précédemment. Tous ces peuples qui sont comme ça opprimés en recherche de terre et tout, moi c'est quelque chose que je trouve surréaliste. J'ai pour principe de penser qu'il y a de la place pour tout le monde et que très souvent les principes d'ingérence ou de colonisation, je trouve ça... Alors c'est pas nécessairement associé au peuple, mais c'est souvent les dirigeants, les gens qui sont en place. Mais pour moi, il y a une espèce de forme de parallèle entre ce que vivent et subissent les Palestiniens, le peuple palestinien et les Kurdes, aujourd'hui. Et c'est à chaque fois qu'on a affaire à des promesses qui n'ont pas été tenues, à des engagements qui n'ont pas été respectés. Et à des situations absolument épouvantables. Ouais. Quoi. Alors moi, je me suis demandé pourquoi est-ce que le célèbre chanteur et musicien Bernie Bonvoisin a décidé de quitter son confort parisien pour se rendre au Liban, voir ses réfugiés. Et là, c'est très clair, je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. Vous n'y allez pas par le dos de la cuillère, ça vous a agacé, c'est ça le déclic en fait? Oui, ce discours qui a eu un moment où des pétitions étaient faites pour ne pas recevoir les gens, et puis voilà, tout ce qui traînait sur ces gens, quoi. C'est-à-dire il y a ce manque de discernement. Au Liban, on le rappelle, c'est 1,5 million de réfugiés. Hein. C'est oui, quasiment un habitant sur 5. Oui. C'est votre pays, Maï Masri. Oui. Il suffit d'y rendre pour voir que ça fait polémique. Ah, parce oui. qu'au Liban, et vous le dites dans votre livre, ouais. il y a ceux qui les accueillent et qui tendent les bras. Oui. Et il y a une autre partie qui, elle, est beaucoup plus réticente. Oui, il y a un racisme qui est là, qui est présent. Alors en même temps, je dirais, c'est pas le fait de le comprendre parce que c'est très compliqué, mais il y a aussi des pauvres. Enfin, il y avait des pauvres avant cette guerre en Syrie. Le Liban est un pays qui a des pauvres, plus toute cette masse de gens qui sont arrivés comme ça. Donc tout ça forcément crée des tensions et crée des polémiques et des choses absolument incroyables. Mais ça génère des choses. Je raconte cette anecdote où, quand j'étais à l'hôtel où je bois un café et le type me raconte qu'on arrive à reconnaître les Syriens par l'odeur de leur sang. Ouais. Vous en faites un chapitre d'ailleurs. Hein. C'est surréaliste d'avoir des propos pareils. Maï Masri, une réaction, c'est une question sensible, la question des réfugiés? La question des réfugiés, oui, c'est sensible. Mais avant les réfugiés syriens, il y a les réfugiés palestiniens, ouais. les camps de réfugiés palestiniens. Ils ont le même statut. Hein, je pense que pour les réfugiés palestiniens, c'est beaucoup pire parce que
ils peuvent pas travailler. Au Liban, ils peuvent pas. Les adultes syriens non plus, ne peuvent pas travailler. Quand, ils, quand ils sont rentrés au Liban, ils signent une décharge. Pour s'engager à ne pas. Oui, il y a des Moi, je suis allé à Bourges-el-Brajnie. Et je suis resté assez longtemps. Et justement, il y avait 20 000 Palestiniens dans ce camp. Ils ont accueilli 23 000 Syriens, Palestiniens. Et vous, Maïma Sri, qui êtes libanaise et palestinienne, est-ce que ça vous frappe qu'un continent comme l'Europe, qui compte 500 millions d'habitants, se barricade autant, alors que le Liban, la Turquie, et souvent d'ailleurs des pays du Sud accueille beaucoup plus de réfugiés. Oui, je trouve que oui, c'est pas juste. Mais pour moi, c'est important que les gens restent chez eux. Et surtout en tant que Palestinienne, oui, je joins ma voix à Nawal. Et en tant que Palestinienne, on veut vivre en Palestine. Et c'est le contraire un peu pour nous, parce que maintenant, les réfugiés au Liban, à Gaza, ils essayent de retourner en Palestine, c'est leur droit. Mmh. Alors, c'est un peu différent. Ils ne rêvent pas... Bon, ils essayent de venir en Europe pour travailler, mais ils n'ont pas oublié la Palestine. Il y a l'attachement à la terre. Bernie Bonvoisin, ce qui est assez étonnant dans votre livre, c'est que, d'habitude, quand on parle de la Syrie, il y a les pro-ceci, les pro-cela, on parle de djihadistes, on parle de Bachar al-Assad, qui serait incontournable ou pas, que c'est le moins pire. Vous, vous dites que quand vous entendez ces enfants réfugiés, filles ou garçons, aucun raisonnement politique, aucun point de vue politique ne tient. Tout s'effondre, en fait. Oui, il y a, comme le dit très justement Maï, moi, je n'ai rencontré que des gens, et croyez-moi, j'ai rencontré pas mal de gens, enfin beaucoup de gens sur ce mois. Je n'ai rencontré que des... Enfin, personne n'avait envie de venir habiter à Francfort ou à Paris ou ailleurs, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux, que leurs enfants aient une éducation décente, vivent sous un toit, manger à leur faim, avoir un travail, voilà, vivre... Mais je veux dire, ce sont des gens comme nous. Est-ce qu'ils se sont sentis abandonnés? Oui, c'est forcément. C'est moi quand je suis à Saïda et qu'il y avait trois femmes qui arrivaient d'Alep et à l'une d'entre elles je lui demande pourquoi elle est partie, mais voilà, même en sachant, mais savoir un peu quels étaient les tenants et les aboutissants, sa première réponse c'était de me dire parce que vous nous bombardez. Et ça. Et comment réagissaient les Libanais et les Syriens à votre venue, vous artiste français de renommée? Moi j'ai eu la chance de tomber avec des gens absolument incroyables qui sont à côté de Zaleh, à Faïda, une femme qui s'appelle Maria Karat, assis, et qui vraiment se dévoue, et je vous garantis que j'avais vraiment une grande prudence vis-à-vis des jugements là-dessus. J'étais assez ironique. Je le suis toujours concernant les marques, c'est-à-dire les grandes ONG, parce que j'ai vu vraiment sur le terrain, j'ai vu des gamins de 7 ans partir travailler comme esclaves le matin sous les yeux de l'UNICEF et de tous ces gens-là. Donc quand je vois la campagne de l'UNICEF aujourd'hui, ça fait rire, quoi. Mais il y a des gens, les locaux, eux sont H24 dans l'humanitaire et sont là pour vraiment aider les gens et les sauver, quoi, parce qu'ils sauvent des gens. Bernie Bonvoisin du groupe Trust, on va écouter quelques notes de musique parce que les paroles, notamment que l'on retrouve dans votre dernier CD Dans le même sang, ne sont bien entendu pas éloignées de vos engagements politiques. On écoute un extrait. Je taille et je chavire, je cherche au plus profond. On va jouer comme on joue sur scène, quoi, c'est-à-dire vraiment fort. Et ça envoie le bois, comme on dit, bêtement et vulgairement. De loin, le meilleur line-up qu'on ait jamais eu. Bernie Bonvoisin, un concert à Beyrouth, non? Ouais, on aimerait bien, ouais. Ouais, ce serait... bien sûr. Bah partout on peut jouer, c'est essentiel d'aller partout, d'aller jouer partout. Et puis c'est bien aussi d'aller dans des lieux où c'est pas nécessairement safe, mais il y a des gens qui sont là et si ça peut apporter un peu un espace de divertissement. Maï Masri, on va voir en avant-première au Festival Ciné Palestine des Reports on Sarah and Salim de Mouyad Alayan. Il y aura aussi What Walla Wants de Chrissy Garland. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nouvelle scène cinématographique palestinienne, des réalisatrices, des réalisateurs? On connaît bien entendu les grands noms comme vous. Où en est aujourd'hui la scène palestinienne? Oui, c'est très intéressant parce que c'est étonnant même. Il y a beaucoup de cinéastes palestiniens et surtout des femmes maintenant
quand j'ai commencé à faire des films dans les années 80, j'étais la seule femme réalisatrice. Ouais. Maintenant, la moitié des films qui se tournent en Palestine sont tournés par des femmes. Et ça, c'est étonnant parce que ça n'existe pas ailleurs, ni en Europe, ni en France, ni aux États-Unis. Et ça, c'est un peu, on peut donner un exemple aussi de créativité et de briser les barrières aussi. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui font des films. Il y a beaucoup de talents, je trouve. D'excellents acteurs. Des excellents acteurs et aussi des histoires à raconter, des histoires humaines. Je m'excuse. Hein. Moi, je trouve que c'est un cinéma très dynamique et c'est vraiment un cinéma qui me fait rappeler un peu ce grand cinéma italien des années 60-70 dans la dérision et dans tout ça. Avec l'autodérision et parfois. Maï Masri, dans son livre, Bernie Bonvoisin cite Mahmoud Darwish, on va en reparler tout à l'heure dans les coups de cœur, et en exergue de son livre, en prélude, il cite ces quelques mots: celui qui m'a changé en exil m'a changé en bombe. Celui qui m'a changé en exil m'a changé en bombe. Que vous inspire cette phrase de Mahmoud Darwish? Oui, ça, c'est un peu ça, c'est l'esprit de l'oppression et de la résistance. De cette souffrance, toujours il y aura de la résistance. C'est ça. Eh bien, on va passer maintenant, chers invités, justement, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Alors Maï Masri, on va commencer avec vous. C'est un peu particulier aujourd'hui. C'est une scène que vous avez vécue hier à Paris. Racontez-nous. Oui, hier, j'ai passé devant le centre Beaubourg avec ma fille. On a vu une protestation silencieuse. C'était une trentaine de gens qui protestaient la cruauté contre les animaux dans les abattoirs. Mais ça m'a rappelé deux choses. Un film hongrois merveilleux que j'ai vu, un film récent qui s'appelle Corps et âme, sur l'amour, les abattoirs et le rêve. Mmh. Mais surtout, ça m'a rappelé de la situation en Palestine en ce moment et à Gaza. Parce que pour moi, quand je voyais les gens là, c'était silencieux avec les numéros qui changeaient, les gens qui portaient là devant le centre Pompidou des placards avec des numéros qui changeaient chaque quelques secondes, un numéro qui change. Pour moi, ce n'était pas les animaux, que j'ai pensé à les êtres humains qui mouraient, mais c'est silencieux. Le monde Il y a beaucoup de gens qui souffrent, des morts, des blessés. Surtout à Gaza, c'est très flagrant, les images qu'on voit. Maintenant, ces jeunes-là, mains nues, qui sont fusillés, ou touchés par balles, des centaines et des milliers des blessés. Et j'ai pensé comment, avec l'art, avec l'expression artistique, on peut donner voix à ce peuple. C'est ça que, pour moi, c'était ça. Redonner une visibilité à celles et ceux qui souffrent. Bernie Bonvoisin, Mahmoud Darwish, justement, grand poète palestinien qui nous a quittés il y a quelques années. Il s'était produit en 2008 à Arles, dans le sud de la France. On regarde cette petite séquence plutôt rare où Mahmoud Darwish récite un extrait de son poème. لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها. Mahmoud Darwish, le poète de l'exil, de la résistance aussi. Bernie Bonvoisin, c'est ce qui vous a incité pour ce coup de cœur? Oui, puis la plume, quoi. Chaque mot est choisi. Oui, comment chaque mot est choisi, comment c'est imagé. Il y a un texte superbe qu'il avait écrit quand il y avait eu ce petit gamin, Mohamed Al-Doua, qui avait été. J'avais fait une adaptation de ce truc et j'ai fait traduire le texte. Le texte est vraiment à tomber par terre, c'est époustouflant d'écrire, d'être aussi si proche des choses. De ce qu'elles sont, quoi. C'est ce que permet la poésie. Ouais. Merci beaucoup, Bernie Bonvoisin. Merci à vous, Maï Masri, d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Le festival Ciné-Palestine, c'est donc jusqu'au 3 juin à Paris et en région parisienne. Merci d'être fidèle à MOE. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro.